Auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Père céleste d'amour, Dieu miséricorde, Alpha et Oméga, le commencement et la fin, nous te disons merci Seigneur parce que tu nous as gardés, tu nous as protégés, tu nous as permis de passer une bonne journée, une bonne nuit sans aucun malaise, sans aucun accident. Père céleste, maintenant nous allons présenter ta parole. Nous te demandons, Père Saint, Dieu d'amour, Dieu miséricorde, d'illuminer notre esprit afin de présenter ta parole. Nous te prions non en vertu de nos mérites, mais dans le nom de Jésus ton Fils, qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Donc, je dis à pour monde qui fait connecter, qui fait grincher, on a peut-être un thème ensemble avec vous qui c'est le contrôle des pensées. Okay? Le contrôle des pensées, le combat pour surveiller nos pensées afin de rejeter les pensées humaines et les remplacer par les pensées de Christ. Dans Colossiens 1, et par vos mauvaises œuvres, l'un suit l'autre. Les mauvaises œuvres suivent les mauvaises pensées. Mais il faut bien comprendre que nous aussi, nous étions auparavant des étrangers par rapport à Dieu. Et nous étions non seulement des étrangers, parce que l'on peut être un étranger paisible, mais nous étions ennemis de Dieu par nos pensées. Nous étions ennemis, mon Dieu, par pensée. Non? Pour qui ça? Parce que tout le monde qui en a dans, depuis bon Dieu, wow, en Adam, les paroles, en Christ ou en Adam, ou c'est ennemi de Dieu. Ça fait du pour réconcilier avec Christ. Donc, pour réconcilier avec Dieu, ou besoin de sortir en Adam pour venir en Christ. C'est ça que fait la Bible dit, nous t'es ennemi, bon Dieu. Ou besoin de sortir en Adam pour venir en Christ. C'est ça que fait la Bible dit, nous t'es ennemi, bon Dieu. Avant nous t'es venus ennemis, bon Dieu. Nous t'es ennemis, bon Dieu, parce que nous t'es en Adam. Automatiquement, nous sortis en Adam, nous venons en Christ, nous pas ennemis, bon Dieu, encore. Bien souvent, frères et sœurs, il y a des chrétiens qui n'ont pas révélé leurs pensées, qui sont encore ennemis de Dieu sur beaucoup de plans. Parce qu'ils entretiennent des pensées encore humaines. Le Seigneur est patient. Parce qu'il sait que c'est un processus de sanctification. Et il nous aime tel que nous sommes. Mais il veut que nous puissions comprendre cela. Discerner et remplacer toutes les pensées qui sont humaines. Pour y mettre les siennes. Et nous apprendre à marcher par l'esprit, par la foi, par la présence du Seigneur dans nos vies qui nous donne les pensées de Christ. Nous étions étrangers. J'ai fini le verset 21. Maintenant, réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour nous faire paraître devant lui, saint, irrépréhensible et sans reproche. Si du moins, vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi. La foi vient de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est sa pensée. La foi vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est sa pensée. La parole de Dieu, donc c'est la pensée de Dieu. Méditer cette parole et nous imprégner de cette parole. Plus nous allons nous remplir de la pensée du Seigneur. Ça, c'est normal. Plus nous étudions la Bible, plus nous étudions la parole de Dieu, plus nous mettons la parole là dans nous, plus nous inculquons la parole de Dieu dans nous, nous mettons la parole de Dieu dans nous, nous mangeons la parole là. Eh bien, c'est plus nous remplissons de la pensée du Seigneur. Béni soit l'Éternel, sous besoin rempli avec pensée Seigneur, mais c'est rempli avec la parole. C'est étudier la Bible, mettez parole là dans nous. Et laisse ça, on va rempli avec la pensée du Seigneur. C'est pour cette raison que notre vieille nature, pleine
dessert sur pleine, dessert pensée humaine et Chanel a dû être crucifié en Christ pour mourir complètement pour que Dieu fasse une œuvre nouvelle. Parce qu'il ne veut garder aucune de ses pensées humaines, même si elles sont paraissent bonnes dans le passé. Il veut un changement complet. Ses pensées qui avaient fait de nous des ennemis de Dieu peuvent subsister encore un certain temps en nous après la nouvelle naissance. Après que vous acceptez Christ comme sauveur personnel, pensez ça au nom de Dieu. Vous pas aller automatiquement avant de convertir. C'est au fur et à mesure. N'a pas la gonce de bagaille. Ça, c'est l'étape de la sanctification. Aussi, bagaille n'a pas la gueule. N'a pas la gueule à terre. Au fur et à mesure. N'a pas la gueule à terre. Au fur et à mesure. N'a pas la gueule à terre. Et puis, n'a pas la gueule à terre. N'a pas sanctifié. Au fur et à mesure. Ce n'est pas un seul coup. Brusquement, pendant nos parcours convertis, nous n'avons pas qu'à vieux pas en tête. Nous n'avons tout pas allé automatiquement. Au fur et à mesure, n'a pas écouté parole, bon Dieu. N'a pas lu la Bible. Là. Nous étions connectés avec mon Dieu. Et puis, nous avons plagué. La nouvelle naissance change les cœurs qui commencent alors à nous donner de nouvelles pensées. Des pensées de Dieu et des pensées du Saint-Esprit. Avant nous être convertis, avant d'accepter Christ, nous pas guéri, nous sommes capables de penser mon Dieu dans nous. Nous pas de penser cet esprit dans nous. Non pas de espérantiel parce qu'ils ont fini d'accepter Christ comme sauveur personnel, non. Ils fini espérantiel. Non pas de espérance ça avant de convertir, avant d'accepter Christ. Non pas de espérance ça avant de convertir, avant d'accepter Christ. Après fini d'accepter Christ, nous fini espérance la vie éternelle. Mais il nous faut bien discerner encore s'il y a du mélange. Parce qu'il y a encore du mélange pendant un certain temps. Pour évacuer tout ce qui n'est pas du Seigneur et qui ne vient pas de son Saint-Esprit. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 12, au verset 5, nous lisons « Toutes les pensées du juste ne sont qu'équité. » Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Ceci signifie « Toutes les pensées du juste ne sont que des pensées juste, tout. Vous voyez bien que le fait d'avoir été changé a produit en nous, dans notre cœur, des pensées nouvelles. Nous venons de penser nouvelles à eux. C'est après nous venons d'accepter Christ comme sauveur personnel. Automatiquement, accepter Christ. Nous venons de penser nouvelles. Et vous devez conserver penser ça. Pour conserver, c'est en étudiant la Bible, en étudiant sa parole. Ce que le Seigneur désire, c'est que nous manifestions pleinement la justice de Dieu jusqu'au point où, puisque nous sommes justes par la foi en Jésus, toutes nos pensées deviennent des pensées justes pour Dieu. Ainsi, nous chrétiens, nous ne devenons pas considérer comme acquis ce changement et ce renouvellement de nos pensées. Il va falloir que nous participions à l'œuvre du Saint-Esprit. Ce remplacement des pensées anciennes par les pensées nouvelles ne se fait pas automatiquement. Waouh! Ce remplacement des pensées anciennes par les pensées nouvelles ne se fait pas automatiquement. Il n'est pas fait automatiquement. C'est pas automatique pour accepter Christ comme sauveur personnel. Ou tu as un paquet de pensées anciennes, un paquet de mauvaises pensées pour penser automatiquement y aller. Non! Que dit la Bible à ce sujet? Nous devons faire très attention aux pensées qui traversent notre cœur ou notre esprit ou notre cerveau. Nous devons faire très attention et apprendre à les discerner pour faire le tri. Nous devons faire attention pour nous apprendre à discerner pour nous faire le triage là. Dans Matthieu 22, au verset 37, un docteur de la loi pose cette question à Jésus. Maître,
quel est le plus grand commandement de la loi?